Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour l'ouverture une fois de plus d'un colis d'une abonnée slash collègue youtubeuse. Et on va ouvrir un colis que m'a envoyé la youtubeuse Mandy Potter Geek, dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne, donc si la suite t'intéresse, c'est par là. Donc comme je te l'ai dit pendant l'intro, ce colis vient donc de mon amie Mandy Potter Geek, qui est une youtubeuse que je suis depuis un petit moment déjà et avec qui j'ai copiné à force. Bah, à force de laisser des commentaires, à force de... Voilà, on a copiné. Et elle a absolument, absolument tenu à m'envoyer un colis. Donc elle m'avait envoyé, je crois, c'était il y a un an pile, une lettre que j'avais postée d'ailleurs sur la chaîne Ibiotaku. Et elle m'avait envoyé une lettre que j'avais adorée, avec des petits dessins et tout ça que j'ai gardé. Je garde tous les courriers que je reçois. Et là, elle a carrément tenu à m'envoyer un colis. Donc je lui ai demandé si elle était vraiment sûre, parce que France... Suisse, c'est très chiant au niveau des ports et très cher surtout, parce que France-Belgique ça va, c'est comme si c'était France-France, mais la Suisse ils doivent pas les aimer parce que franchement les frais de port c'est abusé. Si j'avais déjà regardé aussi pour lui envoyer des colis, mais moi je suis passée par une autre plateforme pour aussi lui envoyer plein de choses parce que voilà, on a vraiment copiné et j'avais vraiment envie de lui envoyer un cadeau. D'ailleurs j'ai failli lui envoyer un colis à Noël, mais ça s'est pas fait à cause d'autres choses. J'ai en fait, je me suis fait, on va dire, arnaquer de 50 euros. Voilà. Je me suis fait arnaquer, je me suis fait avoir de 50 euros. Et c'était l'argent de base que j'aurais dû mettre pour le colis de Mandy. Voilà, je le dis clairement. Donc, je suis en train d'essayer d'ouvrir, même si c'est compliqué. Ah, j'ai déjà la carte, on va commencer avec la carte. Oh, elle est trop mignonne! Ça fait Saint-Valentin, c'est trop mignon. Oh, j'adore les petits cœurs. Ouf! Et du pavé. Ah oui, d'accord, là il y a... C'est carrément comme un swap, elle m'a fait comme un swap. Ok, remarque, je lui avais dit que je lui enverrais des trucs, donc c'est un peu logique. Coucou Ibi, j'espère que tu vas bien. Ce colis aurait dû parvenir pour Noël. Encore désolé pour le retard, je te l'ai préparé sous forme de swap. J'espère que cela te fera plaisir. J'y ai mis des produits suisses à l'intérieur. Oh cool, j'ai jamais touché à des produits suisses, en tout cas... comment dire, pas en état de conscience, mais voilà, sans être conscient que ça soit vraiment suisse. Et d'autres achetés sur Wish, donc l'emballage est un peu abîmé durant la livraison. Gros bisous à toi de la Suisse et de la part d'une abonnée qui te suit depuis très 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 longtemps. Et à mamie, bisous, oh trop mignon, de Mandy Potter Geek. Et après il y a le swap, trop chou. Pour protéger, donc ça c'est, elle a bien fait parce que franchement quand j'ai reçu le colis déjà il était à moitié éventré, donc j'avais peur. Et oh c'est trop mignon, et les chiffres ils sont où par contre? Il y en a un, là il n'y a pas de chiffre. Ok, ah là il y a un chiffre, mais là il n'y a pas de chiffre d'écrit. Il y a un bonus, 16 bonus, bah ouais mais il n'y a pas de... Ça, ça sent la trousse, donc est-ce qu'il y a un truc en rapport? Moi je verrai bien, de toute façon ça c'est sûr et certain, c'est une trousse. Donc le 8, c'est pas ça, le 15, la suite, non. Apparemment faut le tenir dans l'ordre. Le 12, ok. Il y en a, oui, il n'y a pas de numéro. Ah mince, ah si, 13. Ah donc, peut-être que l'autre c'était en rouge, ah, si elle a écrit aussi en rouge. C'est pas très très malin parce que ben non. Je te retrouve après cette petite coupure. J'ai réussi en retournant entièrement le carton à trouver le numéro 1, 2 et 3. Je n'ai pas trouvé le 4, mais par contre j'ai trouvé 5. Par contre j'ai perdu pendant la guerre mon ciseau, mais j'ai une fourchette. Voilà, donc 1. C'est cute et pratique pour tes plannings. Des post-it, je dirais. Ah non. C'est quoi? Des gommes ou des stickers? Non, c'est une gomme. Ouais, c'est une gomme. Oh, c'est trop mignon. Elle sait que j'écris tous mes plannings au crayon à papier. J'écris toujours mes plannings au crayon à papier sur mes cahiers. Comme ça, moi, si j'inverse, ben, je peux toujours gommer. Alors ce qui est quand même assez particulier, c'est que sur la gomme rouge, enfin rouge, jaune, l'emballage est rouge et c'est plus ou moins une marque de nourriture américaine.
Et à côté, j'ai plus l'impression que c'est un produit asiatique, quoi. C'est de l'écriture asiatique. Mais l'autre côté, c'est carrément une marque, ça c'est sûr, de produits américains. J'ai fait une vidéo dégustation et j'ai acheté déjà un truc de cette marque-là. Donc ça fait un petit peu bizarre. Je ferai, ne t'inquiète pas, des zooms via sur la table pour que tu puisses mieux voir les produits à chaque fois quand c'est trop petit. Pur suisse à déguster avec modération. Je connais pas cette personne, modération, donc non, je dégusterai pas avec modération. Par contre, je veux bien déguster tout court. Chocolat au lait aéré avec nougat et miel. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, parce que tout à l'heure j'y ai pensé, mais je l'ai pas dit. Mais ça se voit qu'Amandy me connaît parce qu'en fait, tous mes plannings de vidéos de toutes mes chaînes, j'écris toujours les chiffres pour les dates au stylo, mais les idées au crayon papier. Comme ça, si j'inverse une vidéo ou quoi, je peux toujours gommer. Bref, toujours est-il, ça a l'air bon ça. Donc voilà à quoi ressemble la tablette. Et à savoir que comme je viens de penser que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de nourriture suisse dans le colis, je me dis que ça pourrait être plutôt pas mal que je fasse une vidéo dégustation sur Evie World. Donc je te mets un petit sondage pour savoir si ça peut t'intéresser. Et comme ça, au pire même, mettez-moi en commentaire que ça vous intéresse cette vidéo dégustation. Comme ça, quand la vidéo sera postée sur l'autre chaîne, je te mettrai un commentaire. Je répondrai à ton commentaire en te disant la vidéo dégustation est dispo. Voilà. On continue avec le 3. Mais par contre, merci pour mes calories, quoi. Le numéro 3 pour ta collection, elle vient du Japon, entre parenthèses Wish, pour ma collection. Alors, il y a beaucoup de collections que je fais. Oh ! D'accord. Ce sont des cartes Pokémon. Oh, elles sont jolies. Donc ça, je ferai directement un zoom table parce que là, franchement, ça sera trop long. Donc on a un Dracolos, on a... Ah, je savais même pas qu'il existait en... Greninja. Ah oui, d'accord, c'est un nom en anglais, ok. Darkrai, ça je sais plus son nom. Il y a un Léviator, donc ça c'est cool pour ma collection de Léviator. Voilà. On a... Bah voilà, après je les mettrai en zoom parce que là sinon on y est encore demain. Comme il y a des numéros que je n'arrive réellement pas à retrouver, je vais faire tous les numéros que je vois le numéro. Hein, là, je le vois, le numéro 5. Je ne sais pas si tu vois. Si, voilà. Donc, je vais ouvrir tous ceux où il y a un numéro et après, ben, on fera avec. Donc, le numéro 5, c'est de toute façon marqué encore de la bouffe. Voilà. Et l'autre, une brique de lait pour écrire. Je pense que c'était le colis que j'avais repéré tout à l'heure. Oh, mamma mia. Oh, c'est épais. Chocolat noir, 60% de chocolat. Oh, j'adore chocolat noir. Ou noisette, 100% naturel. Donc voilà à quoi ressemble la fameuse tablette qui est juste... Voilà, et je pense par contre que je vais pas mettre longtemps à faire cette vidéo dégustation parce que je pense que je vais la fumer vendredi. Celle-là, je tiendrai pas longtemps. Ensuite, si en plus si on me tente avec du chocolat noir 60%, après 70% j'aime moins, à savoir que j'aime un peu moins le chocolat, voilà, 70% et tout ça. Et voilà, ce n'était pas ça, on referme, j'ai aperçu un truc, c'est pour ça. Donc le numéro 6, que je disais tout à l'heure justement, le 6 il était là, fallait le voir parce qu'en plus c'est en rouge avec du rouge. Bref, toujours est-il, une brique de lait pour écrire, c'est une trousse brique de lait. Et ça je les avais vus sur Wish, je trouvais ça juste trop classe. Ah ouais d'accord, voilà. Donc voilà à quoi ressemble la fameuse trousse brique de lait et je trouve ça juste trop fun. D'ailleurs sur Wish j'en avais repéré une et j'hésitais à m'en prendre. Mais j'avais pas passé de cap parce que voilà. Ah si, ça s'ouvre là, non? J'ai perdu ma fourchette. C'est pas vrai. Ah non, elle est là, ma fourchette. Ah! C'est là. Bah pour une fois, vu que c'est Wish et c'est un site chinois, on pourrait dire ouais, ça va puer et tout. Bah non, ça pue même pas.
Allez, donc il y a le petit truc à l'intérieur pour rembourrer. Et voilà à quoi ça ressemble. Oh là là, ça va être parfait pour mon futur bureau ça. On continue avec le numéro 7, pour ne pas tomber malade. 11. Donc je ne trouve pas le numéro 7 qui était pour ne pas tomber malade, alors on trouvera après. 8, désolé pour l'emballage, cela vient de chez Wish. Ok, donc c'est celui-ci. Je suis contente qu'elle ait acheté beaucoup de choses à Wish parce qu'au moins ça prouve qu'elle n'a pas dépensé non plus je sais pas combien de fois. Ça me rassure parce que j'avais peur vraiment de lâcher genre 200-300 euros parce que je te connais, t'en es capable. C'est trop beau. Ah voilà, d'accord. Non, parce que les machins ils étaient bizarres, mais en fait c'est juste que ça se replie. C'est trop bien. Oh, c'est trop bien. En fait ce sont des écouteurs avec le truc du micro, donc ils sont verts. Moi ce vert là ne me dérange pas parce que c'est celui de ma cuisine. Et là c'est une boîte pour les ranger en forme de macaron. Macaron vert, qui est juste mon macaron préféré, parce que bon là c'est pas vraiment le vert du pistache, mais voilà. J'adore les macarons à la pistache ou au chocolat. C'est trop bien. Ça rentre dedans, moi. Ouais, ça rentre en plus. Non, parce que des fois, les Chinois, ils sont mignons, mais... Eux, ils arrivent à faire un truc, c'est pas bon. Ah, il y a même... Non, c'est trop bien. Il y a même un... Je sais pas si on verra. Il y a un petit... là, il y a un petit taquet pour vraiment le fermer comme il faut et tout. Impec, regardez-moi ça, génial. Et ce qui est bien, c'est que tu as vraiment l'impression que c'est un coulis, c'est irrégulier et tout, c'est trop bien fait. C'est vraiment fait super bien et j'adore. Les enfants, mais tellement bon. Chocolat Milka, c'est suisse. J'y suis presque. J'y étais presque, hein, par rapport à ça. Oh mince, j'ai cassé le carton avec. Ah non, c'est l'emballage, ok. C'est l'emballage. Des Kinder. Comment ça s'appelle chez nous? Kinder Bueno, je crois, non, un truc comme ça. J'en ai jamais mangé en fait pour dire. Hein, voilà. Donc je vais vraiment faire une vidéo dégustation et une vidéo dégustation de découverte. Donc ça va être pas mal. Donc le numéro 10, il y a marqué tu vas pouvoir tout gommer. Je parais si en manque de gomme comme ça. Par contre, je vous explique même pas le chantier que ça a mis tout autour de moi. Donc en fait c'est tout simplement une petite brique de lait et je pense que c'est un blanco parce que tout simplement quand je vois, déjà je vois une date de péremption derrière ou de fabrication peut-être, mais surtout je vois 6 mètres de 5,5 mm donc je pense que c'est tout simplement un blanco, pourquoi pas. 11, j'espère que tu aimes les amandes. J'adore les amandes. Donc ce n'est toujours pas celle-là. Là. Ou le packaging. Ouh. Ah, c'est la même marque que tout à l'heure. C'est la même marque, j'ai repéré. Donc, tac, amande entière au chocolat noir. Chocolat suisse depuis 1900. Les gars, là, je m'en fous de plein de bide. Et je vais prendre 2 kilos. Je sais pas si elle est au courant que mon chirurgien m'a demandé pour les 6 mois après la lipo d'avoir perdu 10 kilos. Je sais pas si tu es au courant, j'étais presque. Et là j'y suis plus. Pour le petit déj, 12. J'ai trouvé le 7.
pour ne pas tomber malade. Non, c'était ça le 7, hein. C'est pour ne pas tomber malade. Ouais, j'ai enfin trouvé le 7. C'était écrit, mais c'était en couche. Ah, génial! Je vois à peu près ce que c'est. Pas de chance. J'aime pas trop la framboise. Bon, ça passera. Je vais essayer quand même. Oh, il y a une opercule. Bon, tant pis, j'essaie. Au moins que je tente un truc quand même devant vous. Ici. Ça va, ça sent pas spécialement. Allez, quitte à boire de la merde par terre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bah, c'est comme sur l'image en fait. C'est pas dégueu, on sent bien la framboise par contre. Je suis pas très fan de la framboise, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Alors pour un bon petit déj, je dis donc le numéro 12. Elle doit croire à force que je mange pas parce que... Ah, pas mal. C'est le chocolat à mettre dans son lait, ça. Pas mal, pas mal. Alors ça, par contre, je testerai peut-être pas en vidéo. Ce sera un petit peu compliqué. Mais ouais, c'est ça. C'est le chocolat à mettre dans le lait. Ok. On continue avec... pour gravir des montagnes. Le numéro 13. Je vais essayer de faire vite parce que je viens de voir que sur cette carte mémoire là, il me restait plus que 5 minutes. Le numéro 13, je ne l'ai pas trouvé. Le numéro 14, c'est marqué mon préféré. Ça, je l'ai, le numéro 14. Le numéro 15, c'est marqué la suite. Et le numéro 16, c'était marqué bonus. Sauf que je n'ai pas le numéro d'afficher sur le numéro bonus. Donc, on est encore sur du chocolat de Suisse. Je lui avais dit que j'avais jamais testé leur chocolat, donc je vais pouvoir faire une vidéo parce que là j'ai 1, 2, 3 tablettes plus les Kinder machin, plus à mon avis il y a encore une où c'est de la bouffe. Donc le numéro 15 c'est marqué la suite. Non, oui, si, la suite. Ah d'accord, c'est la suite des cartes Pokémon. D'accord. J'ai failli me casser un ongle. Pas trop. Donc là en première carte, je crois que c'est Nostanfer, c'est l'évolution de Nosferalto. Donc je vais piocher quand même une carte pour voir. Et après je vous montrerai de façon face table en fin de vidéo. On a Kangourex en Nolo Reverse. Pourquoi pas. Tac, je regarderai. Enfin, moi je le regarderai tout à l'heure. Toi tu le verras juste en fin. Et après, ben, il y avait juste marqué bonus. Donc je ne sais plus du tout ce qui me manquait en numéro. Le 3, je crois, pour ta collègue. Non, pas le 3. Le 4 qui me manquait. Moi je sais pas. Si, le 4, ça doit être celui-ci. Ça paraît évident vu que. Ça ressemble à une tablette de chocolat et bingo. Ah, c'est du chocolat Lindt. Le grand 34% de noisette chocolat blond. C'est quoi le chocolat blond? Ah, c'est le chocolat au caramel. Chocolat blanc au caramel et noisette nanana. Je tenterai, même si le caramel, j'en suis pas dingue, le chocolat blanc non plus, mais je goûterai pour la... pour l'honneur, je pense. Voilà. Ah non, bon, il restait que ça, d'accord. Je pense. Si j'ai oublié, je suis désolée. Donc c'est une petite trousse Totoro, elle est jaune. J'avais aperçu ça tout à l'heure, c'est pour ça que je savais que c'était pas la même chose. D'accord, j'ai vu un truc bouger. Ok. Donc voilà la petite trousse avec un Totoro. Je ferai un zoom. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. C'est bien, c'est qu'elle est en matière un peu, comment dire, les trucs de plage. Voilà, en plastique de plage, donc c'est pas mal.
Et il n'y a pas d'odeur. Ça, c'est cool. Parce qu'on a beau dire. Voilà le dernier des. Comment dire, cadeau. Oui, cadeau. Oh, non, trop cool, je voulais les tester. Ça, j'avais repéré, je sais plus où. Trop bien. Ah, ouais, c'est ça. Donc, c'est trop cool, c'est parce que ça, je sais plus où j'ai vu la, où j'ai vu ça. Je sais plus. Peut-être que c'est Mandy qui me l'a montré. Ah oui, je crois qu'elle s'en était achetée une fois. Je sais plus. Bref, toujours été que c'est ça. Et je crois que c'est du chocolat avec des amandes. Parce que je vois des amandes et... Toc, toc, chocolat, milk. Ouais, chocolat aux amandes, je pense. J'aurais dit que ça fait un truc de plus. Donc je vais bien faire une vidéo dégustation sur Ebay World parce que là il y a quoi faire. Et je crois que vendredi je vais me péter le bide. C'est pas trop une bonne idée parce que mardi je vois le chirurgien. Donc qu'est-ce que je peux dire à part à Mandy un énorme merci pour ce colis parce que je ne pensais pas qu'elle aurait autant craqué. Moi alors j'avais dit, je l'ai dit hein, que j'envisageais lui envoyer un colis, je lui enverrai un, mais après les vacances d'avril tout simplement parce que pendant le mois d'avril il y a une convention à Toulouse auquel je vais participer et je veux voir justement si je peux pas lui trouver des trucs cool là-bas parce que je connais la convention déjà et je sais qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être pas mal pour elle, donc voilà. Et bah, merci Mandy pour ça, je pensais pas que tu serais aussi folle et voilà. Mais ça prouve au moins notre amitié, ça prouve, comment dire, ça fait du bien, n'empêche, de voir que j'ai finalement des gens qui tiennent à moi, etc. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Je suis désolée, il reste 5 secondes. Bye.